Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à utiliser un labyrinthe. Donc un labyrinthe, c'est ce que l'on voit sur la feuille. Il y a des lignes qui représentent les murs. Donc à l'intérieur, il y a des chemins. Donc on peut passer par différents endroits. Et sur ce labyrinthe, donc il y a la maman ours qui doit essayer de rejoindre son bébé. Mais comme je ne peux pas déplacer sur ma feuille la maman, moi je vais utiliser un Lego. On va construire les murs avec des caplas. Donc comme ceci. Ça c'est pour nous aider à bien voir où sont les murs et pour ne pas les traverser. Donc voilà, maintenant notre petit bonhomme, il peut essayer de traverser pour arriver jusqu'au bébé. Donc en passant par ici, hop, hop, ah non c'est fermé, il ne peut pas, il refait demi-tour. Hop, en essayant par ici maintenant, là on tourne, ici je peux tourner, je peux descendre, et voilà, hop là, réussi. Voilà, deuxième labyrinthe, c'est la même chose. Donc la maman ours doit pouvoir rejoindre son bébé sans traverser les murs en passant par le chemin qu'il faut dans le labyrinthe. Alors on va reconstruire pareil les murs du labyrinthe pour voir où est-ce qu'on a le droit de passer, où est-ce qu'on n'a pas le droit de passer. Maintenant, notre petit bonhomme, les murs sont construits. Notre petit bonhomme peut essayer de traverser le labyrinthe pour aider la maman à rejoindre le bébé sans traverser les murs. Donc, en passant par ici, oh, il y a un mur, je tourne. Oh, ici, on ne peut plus passer. On est obligé de refaire demi-tour. Je reviens ici. Ici, il n'y a pas de chemin devant. Hop. Par ici, il n'y a pas de chemin. Ici, c'est fermé, c'est fermé. Je monte. Là, je tourne, hop là. Et le voilà arrivé. Bravo! Alors, pour le troisième labyrinthe, il y a toujours la maman et le bébé. On a toujours notre petit personnage qui va traverser le labyrinthe pour aider la maman à rejoindre le bébé. Cette fois-ci, on ne construit pas les murs, on va faire semblant qu'ils sont construits déjà. Et puis, il ne faudra pas passer à travers. Donc, notre petit bonhomme, il va aider maman à rejoindre son bébé. Donc, si on passe par ici, hop, il y a un mur, je tourne. Et on le fait descendre. Ici, on ne peut pas traverser, il y a un mur. Donc, hop, on revient au début, on recommence. Donc ici, on ne peut pas tourner, il y a un mur ici. Donc il faut passer par ici. Ici, on le voit tout de suite qu'il y a un mur. Pas besoin d'aller dedans, on tourne. On tourne. On tourne, on suit le chemin. Là, si je vais en haut, là, il y a un mur, je ne peux pas traverser. Donc là, si je passe ici, on dirait que c'est bon. Bravo, on a aidé la maman à retrouver son bébé.